Le Uber est là! Venez, on fait une petite balade sur la plage là. C'est quoi cette voiture là? Ah, c'est Riles. Tu te présentes Anastasia? Arrive à traîner avec Riles. Riles, commence pas, wesh. Vas-y, allez, je vous laisse manger les cuits, y'a pas de galère. C'est quoi les boutons pour la fenêtre, Riles? Pour la fenêtre, c'est ça. Ah merde, pardon. Oh merde! Non! Wow! Anastasia, accroche-toi, ça arrive, hein. T'as fini de manger, wesh. T'es diabétique, tu fais ramadan, tu cherches la merde aussi. Vas-y, attends, je te passe 500, comme ça tu fais le truc. C'est la formation là. La marre. Quand tu trouveras une station d'essence, Karim, tu pourras t'arrêter comme ça, on donne rendez-vous à Lazare, il nous rejoint. Parce que lui aussi, il veut refaire de la weed, okay. Hier, il s'est fait attraper, tu vois. C'est toi là? Yes. Ah, ok, ça a marre. Suis-nous. Je voulais voir avec vous, les gars, c'était quoi ce bail chelou, gars? Je vais ramasser avec vous. C'était quoi ce bail chelou? Je sais pas, frère, c'est Yannick. Au moins, tu sais quoi? À mon avis, c'est Nicolas, parce que tu sais que Nicolas, il a quitté la ville. Vous êtes conscient que si on se fait arrêter par les flics, là, c'est mort pour nous tous? Je suis coincé. Pareil. Mon corps, il répond plus. What the fuck? Attendez-moi, les mecs! C'est bon, je peux enfin bouger. Oh la vache, j'étais bloqué, j'ai aucun là, c'est quoi ce délire? Attends. J'ai des messages? Lazare, est-ce que t'es là? Tu es de retour en ville? Non, regarde, mon avion il a découlé au calme. Ce qui va se passer, c'est que sur moi, vous vous rappelez les amis, j'ai 50 branches de cannabis, donc faut que j'aille les traiter. Est-ce que je vais les traiter tout seul? C'est un peu chiant quand même si je vais les traiter tout seul, hein. Parce que là, il y aura personne pour guetter et tout, c'est un peu la merde. Je vais voir si Karim il est en ville. Ah, apparemment, il est en ville, hein. Et allô? Allô, Karim? Tu m'entends ou pas? Ouais, tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends super bien. Bon, ça fait plaisir, t'es où là? Moi, là, je suis devant le commissariat, bébé. Ah, t'es parti faire quoi là-bas? En fait, hier, j'ai quitté la ville et je me suis endormi sur les. Avant de quitter la ville, sur les chaises devant le commissariat. Ok. T'es où là? Moi, là, je prends une voiture et j'arrive au Comico. Dis, viens, je t'attends, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, hop, ça dégage. Ok, c'est parti. Faut que j'appelle Lise. Voir s'il y a. Parce que je dois repasser la visite médicale, si tu vois ce que je veux dire. Voir s'il y a un médecin. Lise, elle est tout le temps en ville, c'est un truc de ouf. Elle a aucune vie, quoi. Réponds, Lise. Voilà, réponds. Tu peux pas répondre. Au pire, j'appelle Sam. Lise, elle est toujours occupée. Elle est toujours occupée pour moi. Pour moi, t'es toujours occupée, hein. Pour les autres, pétasse, va. Bon, vas-y, tu sais quoi? Je vais appeler Sam. Là, c'est celui qui boit, qui ne conduit pas. Je sais pas quoi. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est qui, Sarah? Ah ouais, Sarah le sage. Ah oui. Allô? Allô, Sam, ça va, quoi? Yo, Dick, là, on a formé toi. Ouais, tranquille, t'es en service là? Ouais, je suis en service là, okay. je suis à l'hôpital. Ouais, dis-moi, y a le médecin ou pas qui peut me faire passer la visite médicale, s'il te plaît? Malheureusement, là, on est que 3 en service et Howard, il est pas en service aujourd'hui. Il est ah pas merde, en ville. Et Perry? Perry non plus. Putain, parce qu'en fait, Perry, hier, il m'a fait passer la visite médicale et il a un problème à son cerveau, il a fait une crise d'épilepsie, il a quitté la ville. Mais il est revenu après. T'es là ou pas? Bah non. Je crois que t'as quitté la ville toi après quand il est revenu. Ouais, mais il est revenu 2 heures après quoi. Je sais pas, je crois 1 heure, 2 heures, hein. Ah ouais, c'est abusé, wesh, il prévient même pas. On était en train de finaliser ma visite médicale. Aïe. C'est chiant ça. Ah mais là, je pourrais pas te dire, y'a que Lise, moi et Mamadou en service. Et Mamadou c'est un ambulancier donc il pourra pas te faire. Ah ouais, Mamadou c'est un ambulancier maintenant. Ouais, ça y est, il est ambulancier là, il a été pris la semaine dernière. Ah ouais, c'est cool ça. C'est cool d'avoir comme collègue. Vas-y, ça marche, ok. Bah au pire. Si y'a un médecin, est-ce que tu peux m'envoyer un petit message, s'il te plaît? Ouais, t'inquiète, je t'enverrai ça. Ça marche. Ok, c'est cool ça, vas-y, bonne journée. Plus, ouais, plus. Merci toi aussi. Putain, y'a pas de médecin, c'est mort pour la visite médicale. Dans ce cas-là, je vais dire, ah oui, je vais d'abord aller au Comico pour m'ouvrir une fiche pour la visite médicale. Parce que hier, j'avais pas encore ouvert la fiche. C'était qui les mecs en moto là? Eh, ça carbure quand même la motocross, hein. Ça va plus vite qu'une voiture, sérieux là? C'est nip. 2000 years later. Ça va quoi, mon pote? Ah ouais, ça parle pas, hein. Bon bah premier vent de la journée, hein, qu'est-ce que c'est pas comme si on n'y a pas l'habitude, hein. Ok, je vais garer la voiture un peu plus loin, parce que sinon on risque de se faire engueuler, si tu vois ce que je veux dire. Je vais la garer là, au calme, voilà. Et c'est parti! Bon, on va aller voir cette nouvelle tête au Comico, il faut que je passe ouvre ma fiche là pour la visite médicale. Bon, déjà il y a une voiture des flics, ça c'est cool ça. Bon, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Pas du tout. Ok. Bon, bah, Karim, où est-ce qu'il est parti encore ce con? On ne sait pas. Allô? Ouais, je suis devant le Comico, t'es où? Frère, je suis juste à côté de... le magasin de vêtements, là, juste à côté de Comico. Ah, ok. Maillot jaune. Pourquoi t'es parti faire ça? Pourquoi t'es parti là-bas? Frère, j'avais des claquettes et des chaussettes, frère. Vas-y, t'attends devant le Comico, alors. Tout de suite. Vas-y. Je vais appeler Hawk, voir s'il peut me faire l'affiche. Il est pas là. Vous êtes bien sur la messagerie de Brian. Ouais, dès que ça... Truc. Je vais appeler Sarah. Ça va ou quoi, Sarah? Oui, bonjour. Allô? Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Si, si, il a laissé un message après le beat, ça non. Il l'a attribué, wesh, il l'a attribué, arrête. Il l'a pas du tout attribué, je savais que tu peux pas m'appeler. Excuse-moi, excuse-moi, j'aurais besoin d'un petit service, c'est par rapport à ma visite médicale. Est-ce que tu pourrais ouvrir une fiche? Pour ton pépère? Ouais. Il faudrait que tu ailles au commissariat. Bah, moi je suis pas du tout là-bas. Normalement, il y a personne au commissariat? Bah, il y a une voiture de police, mais il y a personne à l'intérieur quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, je te fais ça dès que j'ai 5 minutes. Ok, ça marche. Merci. Pas de problème. Attends, je vais appeler, au pire, je vais appeler Carlito. J'ai pas son numéro. Non, j'ai pas son cognon, Carlito. Emine, Gucci, Hawk, Karim, Mladen, Nikolai, Sarah, Chang. Attends, j'ai appelé Chang, est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Ouais, t'as lu. Et Henri Tiang, tu parles? Je suis pas là pour la maman. Putain, je suis dégoûté de voir ça. Aucune arme et tout. Je suis deg. Bon, Karim, il fait quoi là? Parce que là, en fait, le problème, c'est que j'ai des branches de cannabis sur moi. Donc, il faut qu'on aille la traiter. Attends, j'ai appelé Lazare. Est-ce que Lazare ou Roméo? Ah oui, 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 attendez. On va appeler Lazare. Lazare, il est là. Oh, j'y réponds pas, lui ou quoi? Le mec, il attend un numéro de téléphone comme ça. Ouais, oh, il a l'âge qu'on me rembarme. Il me fait tourner en rond, quoi, c'est bougre. Ok, Lazare, je vais appeler Roméo. Bah alors, lui aussi il me fait tourner en rond, comment ça se passe? Oh là, franchement, peut-être qu'ils sont en prison, non? Ah, peut-être, attends. Allô? Ouais, Roméo, ça va quoi? Toi? Ouais, tranquille, écoute, je viens d'arriver en ville, je suis devant le Comico. J'ai dans mes poches, tu sais, des feuilles de menthe que j'ai ouais, pas... Ouais, attends deux secondes, je me fais contrôler, je te rappelle après. Bon courage. Il m'a appelé en plein contrôle. J'espère que t'as bien révisé, hein. Karim, arrête de faire le fou, wesh. Bah déjà, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaykoum. Ça va quoi, khoya? Ahbibi, kirak, ça va? Alhamdulillah, khoya. Tu m'as manqué, khoya. Oh là, comment tu m'as manqué, mon pote. Attends, mais toi aussi, ahbibi. Sérieux? Toi aussi, mon gars. Wallahi. Ah oui, khoya, bah oui, je t'aime bien. J'ai appelé Roméo, il est en train de se faire contrôler au calme par la police. Wesh, tout le temps, il se fait contrôler. Ouais, il y a personne au Comico, khoya. Donc j'ai dit à l'osage de me faire ma fiche pour la visite médicale. Ah, attends, il y a une voiture là, viens voir c'est qui. Bah il va venir normalement lui. Bah je sais pas, je l'ai appelé mais ça sonne mais ça répond pas. Ah mais c'est Riles. Ah ouais mais il est sérieux lui. Il déclare rien lui. Attends. Wesh Riles, ça passe devant les potes, ça dit même pas bonjour. Voilà. Le quoi? Vous êtes où? Wesh Riles, rien de tout. Wesh, je sais pas vu. Arrête. T'as changé, voilà, t'as changé. Vous êtes où? T'as changé. C'est pas grave, tiens. Wesh, c'est qui ton pote? C'est pas quoi? C'est mon mec. Ah quoi? Attends, comment ça c'est ton mec là? Attends, donc lui attends, là? Excusez-moi, j'ai. Là tu tamponnes, lui tu tamponnes. Ouais, les appels ouais, ça commence. Pas, excuse-moi, j'ai un appel entrant. Ah, attends. Allô? Vas-y. Ouais. Eh, tu t'appelles comment? Ça va et toi? Karl. Karl? Eh, tu fais quoi dans la vie? Ah, là je suis au commissariat, je vais essayer de parler avec. Métallurgiste. Attends, c'est quoi ton nom de famille? Pour faire une négociation de contrat. La Garfen. Vu que l'autre va arriver dans pas longtemps. Gueuler sa grande race là. What the fuck? Elle va devrait arriver dans pas longtemps en fait, on attend juste les papiers d'ouverture. Le local il est à nous et tout ça. On elle va parler plus loin toi avec ton business là. Voilà, t'es là, sale clochard. Putain, voilà, putain. Le local, les papiers, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Il va ouvrir son kebab, il nous casse les couilles. Mais c'est quoi ton nom en fait toi? Nogret. Quoi? Bah, on s'est pas parlé hier? No, on s'est croisé hier? Karl Nogret. On s'est pas parlé ouais, hier? On s'est croisé hier en plus. Ah, juste sur le parking. À l'hôpital tout ça non? Je t'ai même appelé sans faire exprès. Non, du tout. Alors pourquoi tu mens? Ah, c'est creux. Pourquoi tu mens comme ça? Je t'ai croisé, je t'ai croisé sur le parking tout à l'heure. Tu l'as menti, pourquoi tu lui mens? Ouais, je suis à quoi là? Ah ouais, ça, d'accord. Non mais tranquille, ça c'est pour faire de la salade ou quoi? C'est pour faire de la salade, tranquille. Ouais. Voilà, hey, il donne des couteaux à n'importe qui dans cette ville de merde, ça me dégoûte, voilà. Ça me dégoûte. Même toi tu peux en avoir un. Non, je crois pas. Ouais, ça coûte combien un couteau? C'est un vrai couteau ça? Ça coûte combien un couteau là? Ouais, c'est un vrai couteau. 350. T'as besoin d'un permis tu peux ou pas? Montrer. T'as besoin d'un permis ou pas? Ouais, t'as besoin d'un permis. Ah ouais, non, c'est de la merde. Monte le couteau. What ah, the fuck? Ouais. Ça, avec ça, tu peux. Wow! Ça là, tombe au calme. Putain! Bon, Riles. Ah, bah, je comprends pourquoi tu vas ouvrir un kebab, Riles. J'imagine que tes bails, ça sera pas nos bails quoi. Donc on va te laisser tranquille parce que toi, t'es pas un mec qui aime traîner avec nous, on l'a bien remarqué hein. Ouais. Comment ça ouais. Mais en fait, à chaque fois, je trouve... Riles, c'est quoi les bails aujourd'hui? Vous êtes trop volatile. J'ai 3 rendez-vous, j'ai 4 rendez-vous, j'ai une meuf, je sais pas quoi. Vas-y, casse-toi. À manger tes restes de kebab, là. Franchement, ça fait 3 jours. J'ai des potes, là. Demande-lui, ça fait 3 jours, on essaye de négocier des contrats, wesh. Ouais, Romain, ça va. C'est comme ça, il faut qu'on vive. Ouais, t'as... Alors, c'est bon, c'est bien passé le contrôle? Ouais, ça, c'est juste un excès de vitesse. Ah, ça va. C'était qui? C'était le sage? C'était un Renoir et... Un roux, je crois. Ah, c'était le portugais, non? Non. Non, un roux?
Ah, ok. Ouais, ah, c'est Billy, peut-être Billy. Ouais, peut-être. Ok, ok, ça marche. Ouais, donc je te disais, j'ai du thé à la menthe, j'ai 50 branches de thé à la menthe que je dois transformer, tu vois, et que je dois revendre et puis ensuite blanchir. Donc si tu veux être dans les bails, tu me dis, comme ça on fait ça ensemble. Karim, je sais pas s'il est chaud, tu vois, mais je voulais en parler. Toi, t'es chaud ou pas? Vas-y, ok, ça marche. Bah, du en coup... plus, ça se vend 50 minimum. Ah ouais, vas-y, lourd. Eh, c'est quoi, je suis devant le Comico, viens, il y a Karim et tout. Vas-y, j'arrive. Ouais, tout de suite. Waouh, aujourd'hui c'est 50 parce qu'il y a beaucoup de flics. Karim, toi, frère, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, ça y est, stop, allez, c'est bon. C'est bon. Et j'ai dit stop. Ok. Bon, okay. Salade ton matignon, sauce algérienne, croyant. Je suis livré dans 10 minutes. Ok, ça marche, je te livre c'est ça. Quoi, c'est quand que tu fais des livros? C'est quand que tu fais des livros, frère? C'est quand que tu fais des livros? Faut que tu fasses ça, croyant, dans la ville. Quand t'as à manger, quand on a envie de manger, application, boule, mec, il vient, il te sert à manger. Et tu le payes. T'as faim là? T'as faim tout de suite maintenant? J'ai soif. Je vais péter dans le bureau du Comico. Il est sérieux là? Ouais, il est sérieux. Alors lui, il est sérieux quoi? Il va péter. T'as cherché à manger dans le bureau du Comico? T'as. Frère, mais faut pas poucaf par contre. Non, j'ai vu qu'il y avait une bouteille d'eau. Ok. D'accord, ok. Ça c'est la tienne, ça c'est ton burger. Par contre, c'était le repas du capitaine, donc tu fais attention. Je m'en bats les couilles, je lui crache chargé, dans la bouche. Oh, c'est quoi cette voiture? Hey, c'est quoi ça? Ils n'ont pas dit Felon. C'est quoi ça? Riles? Oh, mais. Attends, mais je crois que c'est qui? Attends, Karim, il est posé sur. T'as une mouche, Riles. What the fuck? Installez-vous, les gars, voilà. Karim? Allez, bien. Karim? Ouais. Ouais. Tu es en train de laver le pare-choc là, ou comment ça se passe? Bon, vas-y, viens. Ouais, je suis posé au calme. Ok. Ah, viens, il y a Roméo qui arrive. Il y avait les tubes et feux qui sont arrivés là. J'ai vu. Il y a Roméo qui va arriver. On va faire du sale, ok? Ok ou pas? Tu m'as dit quoi? Attends, désolé. Roméo, il va arriver, on va faire du sale. Je dis t'as la main, tout ça, il faut que je le transforme, blablabla. T'es chaud ou pas? Réponds-moi quand je te parle, putain. Ouais, je suis chaud. Putain, il me casse les couilles. What? T'es en train de niquer la voiture des keufs. M'en bats les couilles. T'es en train de niquer la voiture des keufs. Voilà, ils vont te goumer. Tu penses? Non, y'a rien, frère. What? Tranquille. T'as voulu rentrer en plus? Y'a rien. C'est what bon. The fuck? J'aime pas la police. Je sais que t'aimes pas la police, mais fais pas ça, ouais. Je vais te faire coffrer. Ouais, je suis bien, quoi, Cap. Ah ouais, y'a un coffre. Ouais, si on est là, mon gars, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, Roméo? Ça va. Le gars sûr. Tranquille. Le gars sûr. Bon, faut qu'on aille faire du thé à la menthe. Va à la prochaine, les enfants. Ouais, ça marche, tonton. À la prochaine, papy. Ouais, à la prochaine. Eh, voilà, il a la même coupe que Pavel Nedved. Attends, on dirait trop Pavel Nedved. Je vérifie la pression des pneus. Pavel Nedved, c'est toi? Je flan ça, ouais. Clo-Clo. Ah, Clo-Clo. Ah. C'est bon. Les pneus, il est bien gonflé. Viens. Quoi? Les naufragés, les papillons du matin. Ouais, qu'est-ce qu'il a lu? Ouais. C'est toi la dernière fois tu m'avais dit ouais, amène-moi Snake, tout ça. C'est moi Gucci, wesh. Ah, Gucci Mane. Ouais. Ça va, comment pote? Attends, avant de faire des. Viens, on se fait un petit bisou. Calme, c'est bi. Ramadan Moubarak, croyant, déjà, on s'est pas vu. Merci, Chokran. Bah oui, croyant, ça haftora, tout ça au calme. J'espère que c'est pas trop compliqué, hein. Non, croyant, c'est juste le manque de tamponnage qui est compliqué. Sinon, le reste, ça va, tu vois. Ouais, je vois. Eh, j'ai entendu Nana. C'est bon, t'inquiète, moi je connais. Moi, c'est juste. Vas-y, hein. Gucci, juste dis-moi, c'est qui les mecs? Tout ça. C'est qui les mecs avec qui là? Tu peux me présenter ou pas? C'est juste des mecs normaux, tu vois, genre. Mais tu sais que, genre, ça peut faire d'effectif, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, parce que le Nerner aujourd'hui il est à 50$, alors qu'hier il est à 15, tu vois. Donc ça peut ramener pas mal d'argent. Je sais, mais en fait, en fait, il faut qu'on soit beaucoup, tu vois, genre un gros tas. Attends, on va arrêter de parler de ça, parce que vas-y, il y a les poulets. Non, tranquille. Vas-y, au pire, on parle par téléphone. Vas-y. Tu veux que je t'appelle, genre. Ouais, mais de toute façon, moi, dans mes poches, j'ai déjà du Nerner, tu vois, donc faut que je le transforme. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc bah au pire, ce qu'on peut faire, genre, tu vois, parce que on peut pas arriver dire vas-y, venez, on taffe ensemble. Ouais. Juste comme ça, tu vois, comme ça, on aura un peu confiance en. Ouais, on se fait confiance. Ouais, tu veux qu'on te. On vous surveille. Genre, on surveille s'il y a des. Vas-y, ok. Ça marche, ouais, Vas-y. Ok. Bah, vas-y, on va faire ça. Nous, on est. Tu vois, on est. Vous êtes trois là. Ouais. Mais vous êtes calibré ou pas? On est aussi propre que ton pantalon. Ouais, bah oui. Rip. Pas de trop calme. On est aussi blanc que ça, frère. Ah ouais. C'est ton collègue, t'inquiète. Lui. Ouais, c'est. Pourquoi... Il s'appelle Babouche. Mais pourquoi il me tourne le dos, en fait? Hey. Attends, bouge pas. Attends, j'appelle l'autre. Oh,
Regarde, c'est propre. James, derrière. Oh, ouais. Regarde derrière. Ouais, ouais, ouais. Et pac, c'est tamponné. Et pac, c'est tamponné. Non, par contre là. Certifié. Non, par contre là, on va se calmer. Ouais. Bah, certifié, frère. Du coup, ouais, voilà. Vas-y. Du coup, si tu veux. C'est quoi, dès qu'on est sur un point, je t'envoie la position et puis on essaye de faire ça ensemble, ok? Vas-y, pas de soucis. Parce que si on bouge tout sur un troupeau, ça va faire un peu griller, tu vois. Vas-y, t'inquiète. Voitures, mais hésite pas, hein, franchement, nous, direct, on est des aigles royales, frère. Ah, bah, je vois royaux, non? Ah ouais, ça se dit royaux? Bah oui, ça se dit. Ah ouais? frère, désolé. Non, mais c'est Ramadan, frère, c'est Ramadan, ouais, c'est pas grave, frère, excuse. Ça passe. Ouais, c'est la fatigue. Vas-y, vas-y, tiens, vas-y. De toute façon, j'ai ton numéro, frère, je te tiendrai au courant alors. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Vas-y, mais il fait n'importe frère, quoi. Frère, lui, frère, il me casse les couilles. Bon, vas-y, on bouge. Vas-y, viens. J'ai piqué son cœur. Sarah. Ah mon dieu. Tu peux m'accorder 5 minutes là aussi, c'est réciproque. Par rapport au téléphone. Ah ouais, ouais, mais y'a pas de flic. Alors, y'a un petit problème parce que t'as pas eu une restriction pour passer le PPA? Non, pas du tout. Quelle restriction? Ah non, là, non. Bah, je sais pas. T'as pas eu de veto sur un permis de port d'âme? Bah, il me semble que non. Après, tu peux vérifier, mais non. Ouais. Ouais, bah écoute, je vais vérifier. Je te dis ça tout de suite. Attends. Ok. Putain, un droit de veto sur le PPA? Ouais, bâtard. Oh, les bruits de bouche quand tu manges, c'est insupportable. Désolé, c'est horrible. Pardon, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, doucement, doucement, doucement. Ça y est, tu m'as dit que tu me kiffais, ça y est. T'as tous les droits maintenant, mais ça va pas ou quoi? Mais c'est juste avec Anastasia, toi. Je suis pas chiante. T'es avec Anastasia, toi. Je suis pas chiante, mais les bruits de bouche, c'est le seul truc que je peux pas blairer. Je suis désolée. Ah. Attends, je vais remanger alors. C'était le truc à pas dire, maintenant j'entends des trucs bout de bouche, H24. Je regarde pour. C'est vrai. Laisse-moi, je regarde. Karim, arrête! Quoi, je suis de l'ICMR, sa mère. L'ICMR? Non. Ah ouais, t'es mais respecte rien, il monte non, sur la voiture. Non, pas sur la voiture. Karim, s'il te plaît, descends. Et ça, ça donne des permis de port d'arbre au calme. Ça, c'est stable, Zama. Ça, c'est stable. Mais non, bah bien sûr que c'est stable. Putain. Nous, on tape pas sur des femmes, nous. On tape pas sur des femmes, nous. Quoi? Comment ça, on tape pas sur des femmes? Moi, je tamponne les femmes, Roya. Je les tamponne. En garde. En garde. En garde, ta mère. En garde. En garde, Roya. En garde. Quoi? En garde. Dépêche-toi. Quoi? En garde. Arrête. Arrête. Dick, c'est ta bonne conscience qui te parle. Oui, effectivement, Karim est un enculé. Mais ça reste ton frère. Adopté. Vous voulez donner ça? C'était quoi ce mot? Et vous voulez donner ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je regardais des images de petits chiens sur mon téléphone. Ah, ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Toujours en train de séduire les commissaires. Pardon, du coup, c'est bon pour le... Okay. En fait, il faut que j'arrive à choper un supérieur, parce que moi, en tant qu'adecte, je suis pas censé pouvoir pêcher un dossier de PPR. Je vais demander aux agents qui ont en service et je te tiens au courant. Oh, ok, ça marche, nickel. Bah, merci, c'est gentil. Attends, je fais un appel radio maintenant. Ok. Roméo, c'est vrai qui t'a contrôlé tout à l'heure? Non. Ok. Karim, Anastasia, elle en est où là? Lui, il croit trop qu'il Tu sais que. Ouais, quoi? Tu sais que Lazare, il veut se la taper. Non, Lazare, il veut se taper Mia. Les deux? Non, il veut se taper Mia. Karim! Quoi? T'es au courant pour Lazare et Mia? Ouais, il veut la tamponner. Voilà, il m'a dit aujourd'hui, il va lui faire du sale. Il va la tamponner. Il m'a dit aujourd'hui. Mais apparemment, Roméo, il m'a dit que. Ouais, en fait, il veut travailler avec nous, mais on verra. Il m'a dit Lazare. Enfin, Roméo, il m'a dit que Lazare voulait se taper aussi Anastasia. Donc, Karim, fais attention. Hein. Quoi? Ouais, attends. Je te jure. Attends. C'est Roméo qui a dit ça, c'est lui, hein. C'est lui. Hein. Pas Anastasia. Ouais, tu vas me dire Anastasia, frère, t'es sérieux là? Elle, mais, c'est pas Anastasia, frère, c'est le sage. Sarah. Ouais, c'est Sarah. Non, t'as dit Anastasia, frère. Mais non. Ok, en garde. Voilà, ça m'a énervé. En garde, frère. Ouais, sérieux là? Voilà, plus jamais. Oh, attends, y'a Ellie. Ah. C'est la tête là. Deux secondes. Ah. Voilà. Goume-le. Oui. Goume-le. Ouais. Attendez deux secondes parce qu'ils se racontent leur vie à la radio là, ils ont cru que c'était Love Story là-bas. Oh vous faites quoi là? Oh vas-y calme-toi, Karim, Roméo, venez, on se casse. Faut qu'on bouge au calme. Faut qu'on aille au parking, voilà, on va chercher notre moto. Vas-y, on va chercher les motos, Roméo. Vas-y, Karim, on se capte, allez, bisous. Attends. Vas-y, roule. Quoi? What the fuck? Je t'avais dit de pas t'arrêter, wesh. C'est pas grave, on y va comme ça. Bâtard. C'est bon, tu vas récupérer ton autre là-bas. Je t'avais dit, faut pas s'arrêter, wesh, quand il t'appelle. La 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 la. What the fuck? Oh putain.
Thomas il est derrière ce schlag. Fuck you bitch. Tu sais que j'ai lu dans le journal comme quoi Lazare il a failli se faire attraper encore hier par les flics hein. C'est Karim qui la balance. Ouais. Faut muter de traîner avec Karim balance, hein. Bah de ouf. Ah, il me traite de mec instable mais je me demande c'est qui le plus instable quoi. Le mec il balance les potes au calme. Allez merci. Ouais mais ce qui paraît toi aussi hein, tu balances. Moi j'ai pas balancé moi. Moi j'ai voulu faire. Non mais. Monte, je t'explique. Ouais tu. Attends, je vais prendre mon moto. Viens. J'ai pas balance, j'ai voulu faire tomber Nikolai. Et devine où. Ouais je sais. Il est où Nikolai? Il est où maintenant? Dis-moi il est où. Ah là exactement, il est où là-haut. Bon Karim. C'est chaud. Ouais. Récupère ta moto, regarde, comme ça on y va. Vas-y. Attends, tu sais quoi, je vais appeler Anastasia. Tu sais qui c'est le numéro 621? What the fuck? 5632? Non, pas du tout, non. Attends, j'appelle Anastasia. Ah, elle est pas là. La personne au poste. Anastasia, elle est pas là. Bon, vas-y, on y va alors. Attends. Deux secondes. Appeler qui? Karim. Hey, il est pas là, Lazare là. Chut. Non, le il est. Lézard. Attends, le lézard, il est pas là. Attends, je vais l'appeler. Le lézard. What the fuck? Il me semble il allait prendre une douche ou un truc comme ça, je crois, il m'avait dit. Y'a Gucci là. La personne. Gucci il veut travailler avec nous, il veut faire le gay pour nous tu vois, mais moi je le connais pas tu vois en vérité. C'est qui Gucci? Wesh Gucci, cheveux roses, c'est le mec qui était tout à l'heure là. Sauf qu'il a changé de coiffure. Gucci wesh, le mec avec les cheveux roses au début. Je m'en rappelle plus. What? Gucci frère, tu l'appelais Rihanna avec son chou-fleur sur la tête. Ah lui, non, moi je le connais pas frère. Ouais, non, des trucs comme ça. Soit on est ensemble, soit non. Ouais pas ouais du tout. Non. Ouais on est ensemble, n'est-ce pas? On est ensemble. Ouais. Lazare, il était avec qui hier? Il était ensemble ou pas, Lazare? Lazare, on était ensemble hier avec Lazare. Ouais, t'étais avec ton téléphone, je crois. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas si vous étiez ensemble. C'est normal, tu étais en train de m'appeler. T'es sérieux là? Non, je sais pas. Il y a des rumeurs, hein, quoi. Fais attention. Ouais, hein. Si. Quelle rumeur? Ouais, ça va, hein, ou quoi? Tu veux des striptease pour ta garde, mon gars, là ou quoi, là ou? Ah yeah, baby, ça fait une course, là? Non, pas du tout. Ça va faire de la weed. Non, pas du tout. On va faire du talamant. Ouais, non, on va faire une petite balade au calme. Pourquoi tu fais quoi toi? Moi j'attendais quelqu'un, mais il est pas là ce con là. C'est qui? Comment il s'appelle? Fils de chien, il s'appelle Daryl. Ah ouais, je connais pas. Non. Oh là là, je connais pas, ouais. Ah, comment je cabre ou pas? Bon, les gars, on bouge ou quoi? C'est mon bro. Regarde. Bon, je vous laisse votre petit tour là. Allez, tranquille. Ça marche. Karim! Vas-y, on y va. Ah ouais. Karim! Ouais, il est énervé lui. Désolé. Il est énervé. Vas-y, Roméo. Attends, juste. Karim. Tu veux récolter ou pas? Est-ce que tu veux récolter? Karim! Est-ce que tu veux récolter, oui bien ou sûr. Non? Eh, c'est $50 aujourd'hui. Parce que moi j'ai déjà 50 sur moi. J'ai déjà néané sur moi. Tu sais, hier, j'ai fait du néané al-bala. Bah vas-y, viens, on va d'abord jeter ton truc à toi. Mais ça n'a aucun sens. Moi je fais le gay, toi tu récoltes et après on y va tous ensemble. Dick. Ouais. Si tu veux, tu peux vendre les branches. Ah pardon, j'avais pas. Oh nique ta mère là, bouge. Wesh. Attends, comment ça on va vendre les branches? Les branches, si tu veux, ça se vend, ça mais c'est deux fois moins cher. Ah non, c'est pété. C'est deux fois moins cher. Non. Venez, on va récolter pour toi et Karim, et après on va tous ensemble transformer le truc. Vas-y, let's go, trail, on te suit. Va falloir suivre. Vas-y. J'aime pas quand Karim est derrière moi, je supporte pas, tu vois, sentir sa petite haleine de chacal sur mes fesses. What the fuck. Oh là, beau gosse. Il a peur que je le tamponne. Anastasia, je l'appelle, il est pas là. Je vais essayer de voir si Karim il veut pêcher Anastasia ou pas. Parce que moi je le laisse hein. Voilà, je le laisse Anastasia. Oh calme, je m'en bats les steaks. Maintenant moi je suis intéressé par le business les gars. Moi dit qu'il est en train de changer tu vois. Là depuis qu'il a goûté, avant il avait goûté aux femmes, il était intéressé par les femmes. Maintenant qu'il a goûté à l'argent, c'est que la money. C'est que la weed money. T'inquiète même pas quoi. Je vais devenir un expert. Je trouve que 3 c'est bien. Après c'est trop tu vois, genre on est trop visible. Les motos c'est parfait tu vois. Les voitures c'est mort. On se fait capter à des kilomètres par les flics. T'inquiète pas Roya, là t'as les gens du mal à CRB. C'est là. Ah ouais, ok, nice. Ok, vas-y ramasse, moi je suis déjà full. Je vais faire le gay, ok. Moi je vais faire le gay et je vais aller là-bas. Attends, je mets un casque. Et je vais aller me poster là-bas, à côté de l'autoroute. Et dès que je vois une voiture de flic qui débarque, je les appelle au calme. Je vais me mettre là comme ça, j'ai un bon visuel. C'est quoi? Le raisin en bouteille en ville, elle recule, il suffit de remplir un formulaire. Le raisin en bouteille? Ah, c'est pour devenir viticulteur. Ah, c'est pas mal ça. Ok, mais je vois pas d'alcool. T'es malade, quel qu'il est pas mal. T'en place en enfer, il va être pas mal, ouais. Attends, j'appelle Karim. Hello. Ouais, Roya, t'arrives? Moi, je suis à la position où tu m'as donné là. Il y a un champ devant moi. Ah, avec des gens. Ah, bah, ok, que je t'envoie la position. Mais il m'a dit, Roméo, il t'a envoyé un message avec la position. Hello, il m'a rien envoyé. Ok, attends, je t'envoie la position, Roya. Et moi, je suis en train de faire le gay en fait. Vas-y, je t'envoie la position. Et vas-y. Putain, il fait nappe lui. Karim.
C'est bon, c'est envoyé. Roméo qui m'appelle. Ouais, allô? T'es où? Ouais, je suis là, toujours, je fais le gay. À mon avis, tout à l'heure, quand on était en moto, il m'avait dit qu'il avait fait un accident. Il y a peut-être moyen qu'il ait percuté une voiture, à mon avis, tu vois. Ouais, ok. Du coup, je viens te chercher ou bien... Viens, j'arrive, je reviens là. Bonjour. Ça va quoi? Qui êtes-vous, monsieur? Comment ça, qui êtes-vous? Sur mon territoire. Ton territoire? Vous êtes visé, hein. Faites attention. Visé par qui? Comment ça, moi, visé par qui? Je fais un tour en moto, j'ai pas le droit. Faites attention. Faites attention, il m'a dit. Ouais. Ah, attends, il m'a menacé l'autre bouffon là avec sa moto là. Il m'a dit faites attention, vous êtes visé, je sais pas quoi. Non, même pas, il m'a rien montré du tout. Du coup, viens, faut qu'on aille voir Karim sur la route, peut-être qu'on va le rencontrer. Mais moi, tu me fais des menaces, wesh. Pétasse, va. Putain, seulement j'avais un PPA, frère, j'avais une arme et tout. Dégoûté, oh là. Ouais, attends, il y a l'hélicoptère là. Mais il est où ce con? Allez-y, je vous. Attention! Attention, messieurs, oh. Attention! Allez-y, passez! Allez-y, passez, on bloque la circulation. Il est où? Je vois pas. Attendez. Ah, il est là. Karim! Putain, tu nous as fait peur, sale bâtard! Ah, là, sacré filou, toujours dans le coma. Ah ouais, toujours dans le coma, quoi. T'inquiète, Karim, ça va bien se passer. Bon, attendez, monsieur. Ah, bah c'est Karim. Karim, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends. Bougez pas. C'est pour ça que tu répondais pas, le Kembo. Ah, bah oui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, c'est dans le moto. Ouais, exactement. Et vous voyez l'arbre là en face de moi là? L'arbre là à ma droite. Ouais. Il est plus épais que Prince et il m'a mis dans le coma. Mais Karim, comment ça se fait que t'étais là au lieu d'aller sur l'autoroute? C'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi tu es bête? Parce que tout simplement j'avais envie de pisser. D'accord. Ça t'arrive toi de pisser? Ben non, tu peux pas parce que t'as pas de sexe. Pas par moins 40 degrés, Roya. Et quand je fais Ramadan, je pisse pas, Roya. Tu racontes vraiment n'importe quoi, toi. Putain. Allez, tout doucement. Levez-le, voilà. Ça va, vous sentez comment, là, Karim? Ça va. Attends. Mais tiens, j'ai déchiré mon jean ou pas? Non. J'ose pas regarder parce que je l'ai payé une fortune, non, sa mère, là. Non, y a rien. Je pense pas, non. Je vois rien. Ah, il m'a l'air bon. Hein. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon? Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Hey, Karim! Non, fais-lui un bisou, il est venu en hélicoptère, hein. Il est venu en hélicoptère, mon pote. Ah bon? Tu viens en hélicoptère là? Bah ouais. Ouais. Fais-lui un bisou. Je vais te faire un bisou, mon frère. Ouais, t'abuses, hein. C'est la moindre des choses quand même. Non, mais c'est les interventions. Au début, je t'ai fait une petite danse. Hélicoptère. Au début, je t'ai fait une petite danse. Et c'est quoi la bisou sur le derrière? Voilà, et après, bisou au calme. Voilà, au calme. Bon, Karim, on a des choses à faire, incroyable. On a des choses à faire. Merci, mon gars. What the fuck sur la route? Ah, merci, Karim. Ça fait plaisir. Pourquoi j'ai ça dans la main là? Bah, frère, t'es énervé, frère. Roméo, tu fais quoi, frère? Tu fais quoi? Roméo, je crois il a perdu la tête, Roméo, frère. Ah ouais? Ouais, Roméo? Roméo, c'est mais toi? Non. T'es possédé, frère? Roméo? T'es possédé? Roméo, je vais te tirer dessus, attention! Karim, tu sais qu'on était en... Il a ramassé Roméo sur lui, et il y a un mec, il est venu en moto, il m'a dit, ouais, fais attention, t'es sur mon territoire. Donc frère, viens, on y retourne. Hein? Wallah, Alim, c'est la vérité. Je lui dis, mais je suis malade en moto. Goûmer. Il m'a dit, ouais, t'es observé. Vas-y, viens, je vais le goûmer. Vas-y, viens. Montre-le-moi, voilà, je vais le goûmer. Vas-y. Roméo? Ah, je crois il y a son frère jumeau là. Attends, vas-y, viens, moi je vais le goûmer, le mec. Ouais, il t'a mal parlé? Il m'a dit, fais attention. Je dis, mais t'es sérieux, toi, t'es qui? Il m'a dit, juste fais attention, on t'observe, t'es dans le viseur. Vas-y, bouge ta mère, wesh. Roméo? Ah, tu sais quoi, je le goûme. Vas-y, je rentre, j'arrive, je le goûme. Roméo? Vas-y, bref. Vas-y, attends, mais il y a combien de Roméo, c'est sa mère? C'est pas, vas-y, viens. Karim, viens, on y va. Aïe, attends, 10 minutes. Viens, on y va. Ouais, je suis où encore, lui? Ouais, je me dis pas qu'il est encore tombé dans le coma, frère. Karim, ramène-toi, wesh. Putain. Eh, il est relou. Oh là, il est relou. Il me dit pas qu'il a encore fait un coma. Oh putain, l'autre il revient. Oh, c'est lui. Wesh, tu réponds pas au téléphone, frère. Il est où? Il est pas là. Ramasse. Roya, je vais faire le gay à côté d'autoroute. Pour l'instant, ramasse, Roya. Il est parti, frère. Toi qui va rester? What the fuck? Aïe. Toi qui va... Il va pas rester, Roya. Wallah, tu me trahis pas. Je t'ai jamais trahi, frère. J'ai Poucaf Nicolas. Et dis-moi, Nicolas, il est où maintenant aujourd'hui? Ouais, dis-moi, il est où? C'est vrai. Putain. Ouais, Roya, là j'ai un visu sur l'autoroute, donc je vois s'il y a des voitures du flic. Si tu vois le mec Roya en moto, tu m'appelles, hein. Oui. Vas-y, Roya, tout de suite. Tu me dis quand t'arrives à 40, tu m'envoies un message ou là tu me bipes. Quand t'es à 40, ça marche. Vas-y, Roya. À tout de suite. Roméo, ah merde, Roméo il m'a appelé. Ouais, Roméo, il s'est passé quoi là? Ouais, Roméo. Allô? Il y a des problèmes de télécommunication là. Ouais, Roméo, ça va ou quoi? Ouais, j'ai eu un petit problème là. Ok, du coup on est au même point, Karim il est en train de ramasser, ok.
Moi je fais le guet. Essaye de rester à côté. Viens là où, on était. Essaye de rester à côté de lui au cas où c'est l'autre qui vient avec sa moto. Il commence à faire de menaces. Vas-y, vas-y. Vas-y, à tout de suite. De toute façon, il a un flingue. Ouais, ouais, mais on sait jamais, tu vois. S'il vient, l'autre il vient par derrière, un truc comme ça, tu vois. Vas-y. Vas-y, à tout de suite. Ok, ça c'est bon. Appelez ma meuf. Elle la personne au pote. Y'a pas de meuf aujourd'hui ou quoi? Au final, j'ai pas beaucoup de numéros de meuf, hein. J'appelle Karim, je dis que Roméo va arriver. Yo. Ouais, croyant, faut répondre plus vite, imagine ça aurait été des flics qui étaient là, frère. Ouais, mais j'ai des problèmes, frère, avec le truc. Bref, y'a Roméo qui va arriver, il va t'épauler, il va faire le tour autour du site, voir s'il y a le mec en moto. En fait, c'est un mec en moto, il est en chemise bleue. Casque bleu, il me semble, tu vois, mais en gros... Je lui tire dessus, moi je lui tire dessus, non, en direct. Non, tu le menaces, tu lui dis c'est qui ton boss, et on le prend en otage, tu tires pas dessus, frère, ça sert à rien. Ok. Tu fais le muskin, hop, dès qu'il commence à me parler, tu sors le flingue, tu le braques. Ok, vas-y. Vas-y, Romo, il arrive, Roya, t'inquiète. Vas-y, je tiens encore, Roya, vas-y. Regarde, je lui tire dessus, il est con. Il donne des armes à n'importe qui dans cette ville, ça me dégoûte. Bon, Romo, t'es où, frère? Oh, il est flic. Ouais, t'es où? J'ai vu une voiture de flic là passer, mais elle s'est pas arrêtée. Si, bah je suis avec Karim, hein, moi. Ok, parce que là j'en ai... Y a pas d'autre moyen d'accès au site? Je pense pas. Ok, parce qu'ils ont tracé en fait tout le long de l'autoroute, donc je pense pas qu'il y a un autre chemin, tu vois, donc voilà, juste je vous le dis. Il a combien là, Karim? Il a combien de weed là? Je sais pas, Karim, t'as combien? Il a combien? 36. Ok, ça marche. Bah si je les revois. Ok, 46, bah c'est bon. Si je l'ai voir passer, je vous le dis, tu vois, mais là, pour l'instant, je les ai pas revus, tu vois. Vas-y, ok. Vas-y, tout de suite. Moi, je vous attends à la sortie, hein. Vas-y, tout de suite. Ah oui, ils sont passés comme une fusée, les flics, hein. J'espère qu'ils m'ont pas vu, hein. Parce que là, mon pote, s'il me chope avec de la weed et tout, ça va être sale. Ça va être sale. Roméo, qu'est-ce qu'il a? Ouais, allô? Ouais, S'ils étaient sur l'autoroute, faut pas repartir vers l'autoroute. Viens avec moi, on va partir dans la montagne, là-haut. Ouais, j'arrive. Yeha. Let's go, traré. Doucement, Karim, doucement. Oh, il va falloir encore un coma, skin. Désolé, petit lapin. Attends, arrive, en ville. Bon, on va traiter là. Ouais, traitement direct. Traitement, oh. Vas-y. Traitement le plus courant, on va dire, le plus courant. Ouais. Eh, doucement, Karim, hein. pas d'accident, frère, pas d'accident. Ouais, dès qu'on descend, voilà. Non, t'inquiète. Vas-y, passe. Putain, ça me fait stresser ça. C'est ça le problème de la moto, tu vois. C'est bien, tu te faufiles. Mais si tu tombes, regarde, tu te kills. Risqué de ouf, j'aime pas. What the fuck? Trop risqué, frère. Il est tombé, Karim, ou quoi? Bon, il est où ce con? Bah, il est où ce con? Il est derrière. Ah, ok, ouais. T'es encore tombé ou quoi? Failli. Oh la vache. Oh! What the fuck? J'ai eu peur de ouf. Oh la vache. J'allais me prendre un de ces arbres dans la gueule. Il s'est éclaté. Oh là, il s'est éclaté. Coma. Ah là. T'inquiète, Roya, je tombe pas. Tfou, reste là. Putain, ça me casse les couilles, Wallah. Bon, j'appelle l'ambulance. Frère, deux fois en une demi-heure. Bizef. Bon, il a bizef. Putain, y'a Roméo qui m'appelle. Putain, je veux dire quoi, Roméo? Ouais, Roméo. Ouais. Ah, c'est bon, je vous ai vu. Ouais, bah devine. Putain. Quoi. Ouais, Putain. Ouais, c'est... Mais attends, Karim, j'appelle ta meuf. J'appelle Anastasia, on sait jamais, tu vois. La personne au poste 2. Ah merde, elle est pas là, putain, ça me saoule. Bon, c'est pas grave, j'irai la tamponner tout à l'heure, Inch'Allah. Bon, l'ambulance, ils ont pas répondu, hein. Romain, essaye d'appeler l'ambulance, s'il te plaît, pour un coma. Ah ouais. Parce que là, ça va être compliqué, hein. Faut qu'il vienne en hélicoptère et tout. Hein. Et là, Karim, si tu vas à l'hôpital, tu perds tout, hein. Ils vont te vider les poches, mon pote.